Salut tout le monde et bienvenue ce soir pour un nouveau stream sur A Total War Saga Troy. Bienvenue ce soir pour cette nouvelle session. On va poursuivre notre campagne avec Ajax de Salamine en légendaire avec le mode Mythos et le toutou Cerber. J'ai fait une belle ellipse. J'ai voulu tracer un petit peu parce que bon, on était toujours un petit peu coincé en Grèce, ça devenait un petit peu chiant là non. Et ben je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Bon, déjà vous me voyez en Turquie, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que la Turquie. Alors après mes belles victoires en Grèce, avoir rendu mes alliés plus puissants, j'ai décidé de faire mes objectifs pour la victoire Total War. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai poussé. J'ai cherché 62 colonies, je suis allé chercher Knossos. Donc actuellement je suis le maître incontesté de la Crète, ce qui est plutôt pas mal. J'ai une petite armée dans le coin en cas de problème. Au moins je sais qu'il y a beaucoup d'unités de Parangon, mais c'est voulu. Je suis allé faire un petit peu de tourisme du côté de Rhodes. Bon, j'ai les deux tiers de la province. Donc je vais faire attention avec eux parce que eux, ils pourraient nous déclarer la guerre à tout instant. J'ai pas d'armure dans le coin. Je me suis fait un nouveau allié qui est ici, Triopion. Que j'ai renforcé comme un cochon. Bon, même si c'est pas un Achéen, mais bon, pourquoi pas avoir un allié dans le coin, ça peut toujours être utile. Ensuite, j'ai commencé à remonter vers le nord, donc je me suis fait une petite position en Latmos. Ce qui fait que je contrôle pas mal. Je contrôle de l'or ici parce que j'ai perdu ma ville d'or en Attique, encore une fois. Je contrôle Méanandros, mais bon, il y a aussi les Amazones qu'on voudra lui dire deux mots. Les petites Amazones se sont refaites une nouvelle base. Alors attends, c'était où? J'ai même pourvu. Je crois qu'elles avaient une base à un moment, mais elles l'ont perdue, il semblerait. Non, elles ont rasé mes robes, donc on va se méfier quand même si elles recolonisent dans le coin. Et nous, on est en train de se tâter parce qu'il nous faudrait une seconde armée ici pour essayer de contrôler le coin et de remonter progressivement vers 3. Hein. On voit qu'il y a du peuple. Hein. Donc arriver jusqu'à 3, ça va être long. Et surtout, je rappelle qu'Hector possède deux colonies en Thrace, une ici à Ismara et l'autre c'était Cyrus. Donc autant dire que c'est pas gagné. Hein. Au niveau des guerres, j'ai des parangons à aller chercher. J'en ai un à aller chercher ici sur l'île des Dolopiennes Lycomède et l'autre, alors je sais plus où il est. Je crois qu'il est loin. Donc voilà. Voilà un peu les news. Donc on a fait pas mal de progrès. On va essayer de continuer bien sûr. Je crois que j'avais une armée qui est en route pour aller le chercher, ouais. Donc je vais me mettre en route là avec cette armée. En plus, l'armée d'Hippomène a un Minotaur. Donc qui est un bon dualiste, donc pourquoi pas aller le chercher avec lui. Ça, ça nous fera déjà une unité en plus à péter. Donc pour le moment, avec Ajax, je vais rester en embuscade. Je sais qu'il y a une armée dans le coin. Et j'essaie de rendre la province ici à Argos pour me faire un allié, une position de mon allié solide. Donc on n'a qu'une armée full éthérée, oui vous avez bien entendu, une armée full éthérée qui est assez ignoble. Donc voilà un petit peu les news. Donc salut à tous, salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle VOD. On est parti. Donc pour reprendre nos hostilités, avec Ajax qui continue de faire du grabuge en Grèce. Ah, on a eu un petit problème ici. Donc, au niveau de technologie, on est très très bien, on a fait beaucoup de choses. Donc je vais essayer de rusher ça pour avoir tout de suite le tour de siège en moins grâce à la tech et on verra ce que ça donne quoi. Il nous reste encore une, deux, trois tech, il nous reste 6, 7 tech à aller chercher et on aura fait toutes les techs du jeu. Voilà un petit peu, donc on est reparti, on va voir un peu ce qu'on peut bâtir en coin. Ah, je vois qu'on pourrait gagner un petit peu d'or ici en plus, c'est cool, on va le faire ou alors... on va peut-être attendre pour l'or. Voilà, on va déjà faire tout ça. On va renforcer la crête. Salut Momon, comment tu vas? Bienvenue pour cette nouvelle session sur Total War Saga 3 avec Ajax. La progression a bien avancé. Hein, la crête, une partie de Rhodes, une partie de l'Asie mineure. Et là, on est en train de stater pour combattre nos ennemis. Là, je suis en train de voir pour me faire des éthérés. Bah tiens. On a déjà 4. On a 4 de plus, ça nous en fera 12. Et 2 géants ici. C'est cool.
Donc on a une petite armée, on va attendre un petit peu le temps de voir ce qui peut nous attendre. Donc là l'armée d'Ajax full éthérée, hein, je rappelle. Hector il va nous voir débarquer, il va se dire mais c'est quoi de tout ça? Ah, Hector il est en train de tenter quelque chose. Hector qui se fait deux armées à lui tout seul. Alors tu l'as apprécié, moi je veux peut-être aller voir bientôt aussi. Peut-être pas forcément demain, mais peut-être le week-end prochain je pense. Donc là on va essayer de repousser le vilain Hector et ses copains. Et on va essayer aussi d'aller chercher les parangons. Hein. Il me propose un pack de non-agression et 1062 bronze. Je vais prendre les 1062 bronze, on va en avoir besoin. J'ai mis en fond les 10 ans de... ils font un stream ce soir, je crois, quelque chose comme ça, j'avais lu. J'espère qu'ils vont peut-être annoncer les remakes du fameux Gothic. Pas Gothic, hein, Gothic. Oh, ils sont encore là, c'est pas possible. Hein. Qui me déclare... Ah non, pas eux, putain. Ils vont m'attaquer où? Je sais pas pourquoi ils m'ont attaqué, bon là je pourrais rien faire, je vais peut-être perdre Rod, tant pis. Évidemment, il faut toujours qu'il y en ait un qui... Quoi que je pourrais attendre, j'ai peut-être une idée. Ah, ils rasent la ville, carrément eux. Ah, vous êtes comme ça, vous. Ça commence bien. Le lambda du coin qui vient de casser les couilles. Bon, oh, bah je crois que je vais ramener une armée de renfort de crête, hein. Il y avait déjà une tentative, je crois. Comment ça, Ajax est blessé, pardon. Évidemment, on blesse un héros de niveau 27. Hein, mais bon, ça, c'est normal. Descendant de Zeus, waouh. Bon, si je leur déclare la guerre, c'est tout le bordel. Déjà qu'il y a lui là qu'on va les calmer. J'ai l'armée de Crète là. Donc ça nous en ferait deux de chaque, ouais. Putain, le mec sans aucune vergogne. Et si lui je lui déclare la guerre, il va tous ses copains vont me tomber dessus. Ça c'est embêtant. Donc là ils vont tenter de récupérer la ville. Parce que là le problème, c'est avec encore les Amazones. Hein, et mes terres principales vont être emmerdées. Après est-ce que mes alliés seraient capables de l'arrêter? Ça c'est une bonne question. Sur le papier j'ai envie de dire que oui, mais je suis pas confiant. Alors, est-ce que je vais pas faire un petit peu de diplomatie déjà? Tlawa qui refuse la paix, bah ok. Bah, on va aller faire une petite guerre à Tlawa. Tiens, peut-être que je referai une liste plus tard, je sais pas. Je vais me tâter. Bon, eux ils sont déjà là. Bon, Ajax, c'est reparti. Désolé, tu vas retourner d'où tu viens. Bon, ils vont pas aimer. Hein. Et lui, je sais pas pourquoi, lui, le Gugusley, il me veut ma peau. On va voir pour faire des petites affrappes. Frappe de coordination. T'es en guerre contre qui, toi? Là, t'es en guerre contre lui. Est-ce que tu peux pas les taper, lui, justement? J'essaie de revenir avec les deux armées. Comme ça, on va faire un mouvement détox et récupérer Rod totalement. Et de calmer ce Gus-là, parce que, bon, je sais pas ce qu'il a encore. Il y a toujours un Gus hein, qui emmerde le monde. Toujours. Voilà. Point de compétence à Alcimède, c'est le général là. On a un général dans le nord, on se méfie. Avec... où est-ce qu'il est lui? Il y a un Dolopien là, il était où? Ah, il est là.
will go down in history. Got it. Bon, logiquement, avec tout ce qu'on a, on va le calmer ce au prochain tour. Ta punaise, l'emmerdeur là. Bon. Alors, comment il a fait le mec pour réussir à me baiser comme ça, mon Ajax? Je me pose la question. Salut Loubou, bienvenue à toi. Ben merci, mais salut quand même. J'ai pas compris Loubou, mais je me demande comment il a fait ça, le saligo là. J'en ai un à les calmer. Tu vas voir la belle progression Loubou, la belle ellipse que j'ai fait, je me suis lâché pour te dire. Et Ajax s'est blessé, juste pour quelques tours. Bon, c'est bien, nos alliés, ils vont se bouger. Ah, c'est pas toi, Loubou, c'est... Je te présente l'emmerdeur. Félicitations. Il y a des emmerdeurs de la faction de Tlawa. J'ai pas encore lu Gnomonge, mais je pense qu'il y a eu des cohérences, enfin des trucs cohérents, j'espère. T'es susceptible au bout, toi. Bon. Déjà, on va aller chercher ces villes-là. Bon, on va aller jusqu'au fin fond de la map. Mais on va aller le calmer, comme ça. Alors, le bout, c'est vrai, ça, en plus. Alors, pourquoi je dirais que Cerber, c'est un emmerdeur, le bout, hein? Dis-moi. Dis-moi. Alors, déjà... Opération attaque de Parangon, déjà. Coucou, c'est moi. Oh. Donc là, notre ami Hippomène est allé chercher ce Parangon. Alors, ensuite, nous allons faire moins 15 d'usure pour l'armée du héros ici. En vrai, avec lui, on pourrait peut-être aller tenter d'aller chercher les villes. Oh, punaise, ah oui, c'est vrai. Faudra traverser le territoire là. Donc, je sais qu'à Asmara, il y a un parangon. Est-ce qu'il y en a un autre dans le coin? Je crois pas. Pas en trace. Il y a lui là-ci. Ah, il y a deux parangons, justement. Un anti-Sara. Je pense que ça serait les derniers. Attends, j'essaie de voir la route vers la couleur d'Ajax. Non, il nous en resterait encore trois. Bah déjà, il y a un bug d'affichage, ça commence bien. Ah, Mytilène. Ah, ça a été rasé, Mytilène. Mytilène, pardon. Là, j'ai une armée full éthérée. Et l'armée... Bah, l'armée qui a composé Ajax, c'est full éthérée aussi. Bon, bah, on va pas avoir des petites surprises, hein. Ah, une petite bénédiction, s'il vous plaît. Héphaïstos est content. Si Héphaïstos est content, je suis content. Avec qui je vais faire plus. Je vais faire une petite bénédiction. Apollon, je pense que je le ferai pour une prochaine campagne. J'essaie de bénir de Zeus, tiens. I offer wine and ask your blessing. Parfait. Des minotaures, ouais.
Alors c'est lui, c'est un... Ah, attends. On va embarquer Néoptolème le Magnifique. Voilà, très très bien. Quoi? Ok. J'en rajoutais deux là. On a pas mal, on a assez d'archers, on va peut-être partir sur quelques javelots. Putain, je viens le voir parce que là j'étais en train de gagner une bataille. Une bataille et d'amour, je vais la tuer, je fais le qui fait un tel 4 en plein milieu de bataille, c'est le bel qui veut pas lâcher. Alors c'est mort pour lui en 3 tours, 11 armes. 4 qui ont aussi j'ai mauvais, après 4 qui avaient aussi j'ai mauvais de Mathieu, ou encore 3 qui assiègent en colonne, qui m'avait pété la cape en sortant une armée de Mathieu. Oh putain, le bouge compatible, mais c'est trop drôle. Salut Mitrandir, bienvenue à toi. Là j'ai arrêté le canal, oh putain, le bouge, je suis désolé, c'est. Oh putain, le seul que tu dois avoir, et c'est. Je suis compatible, mais c'est drôle quand même, t'as ton histoire. Ah non, 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 non. Ah, tu vois que je redescends, bah, je vais redescendre, attends, tu vas voir. Je vais raser toutes ces villes. Je vais m'y transférer dans la game. Oh, mais au secours, les mecs. Vous êtes des... que 3 et vous foutez déjà le brin, bah bravo. Je vous félicite pas. Alors, en fait, m'y transférer dans Radio Fumper 2, ça serait le prêtre. À un moment, lui, je sais pas pourquoi je te verrai, toi, au fait. Le bout, je le vois bien, je le foutrais bien en chevalier teutonique. Je sais pas pourquoi, mais ça lui irait bien en vrai. Salut Alstigrou, comment tu vas? Tiens, je suis passé à V2 cet après-midi. Je t'ai pas vu. Enfin, c'était plutôt vers 17h. L'après-midi, c'est pas 17h, on va dire. Bien. T'inquiète, je suis très bien en Cerber et salut le tigre. Ah voilà, si t'aimes bien être en Cerber, Loubou, que demande le peuple. Donc au prochain tour, on aura terminé cette tech. Donc là, je rappelle qu'on va faire à tête hors pour ça. Ok, c'est normal. Je vais essayer un syndicat de Chopin improvise, ça serait marrant. Alors par contre là on va avoir un petit problème. Colophon, on va l'agrandir. Donc là on est pas mal. Donc là ce qu'il faudrait c'est mon but, récupérer totalement, rendre ses terres à ce gus là. C'est comment il s'appelle? Perret, on récupère toutes les terres, on lui rend tout. Le strict nécessaire. Il se fait, on a une deuxième bonne, un bon pote ici, on remonte. Jusqu'à 3 Hector et tout le tralala. On va chercher les bases aussi parce que à mon avis il va falloir aller chercher ces bases là. Ah, il y a lui aussi dans la game. Ah bon, c'est nouveau ça. Oh attends toi. Oh, t'as une armée vénère toi. Oh non, t'as pas une armée si vénère que ça. Bon bah, bisous. Ah bah oui, toujours content du Tamerlan mon vieux. Oh pardon. Même si je l'utilise pas souvent en ce moment pour te dire. Sac des Vendéoles, 32%, pied marin. Exceptionnel. Alors attends, j'essaie de remettre dans le bon sens. Eh ben on est en guerre contre ce gus là, attends. Attends, on est en guerre contre ce monsieur Gugus. Là, je vais tenter un contournement. Bon, ça mettra du temps, mais en fait, si je fais ça, c'est pour éviter de me prendre l'attrition. Comme ça, si je peux aller choper les bases ici, virer Hector de la trace. Heureusement qu'on ne devait pas rester chez moi, il est passé rapidement pour attendre l'ouverture du niveau pour son stage. Il pensait revenir, il a bien fait de parler, c'est lui qui aurait tout pris. Oui, si c'est à moi que tu parles.
Ah, je sais pas, peut-être qu'à bah, peut-être aux deux, hein, peut-être à nous deux, ou peut-être à toi ou à moi, je sais pas. Oh, lui il va être chiant par contre. Bon, dites donc, Argos là. Ah, il y en a un là aussi. Ah, bah oui. Ah, d'accord, ça cache des armées. Bah, bravo. Perso, c'est ouf, toujours impossible de trouver une RTX série. Lol. La 3 pour la série 3000, ouais, bah j'ai. On va dire que j'ai eu de la chance alors. Voilà, c'est bien. Bon, il est où notre armée là? Elle est là. Bon, Ajax, tu reviens dans combien de temps, s'il te plaît? 2 tours. Bon, le temps qui arrive, Ajax, on va se positionner ici. On va passer à Kibira, on va passer à Balboa, pas Balboa, hein. Attention, je vois la blague arriver, oui, elle était nulle, Tlos, et on rend tout ça à lui, on récupère Rod, on remonte, et on calme tout ce petit monde, voilà. Pendant ce temps, on a une armée qui va stabiliser le coin. Salut Thanos, Troy est tombé, pas encore, il y a du chemin encore, même s'il y a Argos avec Achille qui est en train de faire le boulot, Hector... Il est un petit peu en trace, là, il y a 2 villes en trace que je dois aller chercher. Par contre, la crête est tombée pour les victoires Total War. J'ai Knossos et tout ça, bon, c'est déjà, il y a déjà des bons, quand même des bons points. Et il y a quand même sur 100 villes, il y en a 62 déjà d'occupés, pillés ou rasés. Et là, je crois qu'on va encore monter le compteur ce soir. Mais on a toujours notre du bio. Oui, on l'a toujours, hein. Même si Thanos, on le voit moins. Déterminagement facile, 0 tour les deux. Ah bah ça, c'est un mystère de la technologie. Bon. Et je suppose qu'il y en a qui vont peut-être attendre pour Age of Empires 4. Ce que je peux comprendre. Alors lui, Ainos. T'es en guerre avec 3. Tu me files de l'or pour un accès militaire 430 d'or, je crache pas dessus. Évidemment, bon, c'est une petite armée faiblarde, ça va. Bon, lui, on va aller lui dire 2 mots avec la super armée qu'on avait. Et avec Ajax, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai une armée full éthérée. Hein. D'accord. Il est en train de refaire son armée ici. Il y a l'Isos. C'est qui m'attaque? Oh non, mais c'est pas possible d'être aussi casse-couille. Encore un lambda qui emmerde le monde. T'as toujours un lambda qui t'emmerde. Je sais pas pourquoi. Pas grave, il y a encore des baffes qui vont se perdre, mais bon, on a l'habitude maintenant. Ah non, il faut que je ramène cette armée. Hein. Je vais essayer de faire la prière pour éviter. Oui, mais sur le monde, des liens de début, le truc, c'est des anges qui jouent. Moi, je suis dessus, donc là, je ne sais pas d'où ils viennent. Des fois, Loubou, faut mieux pas se demander d'où ça vient, tu sais. Attends, j'ai pas d'accès militaire avec lui, là. It will be a pleasure to deal with Salamis. Ah bon, on va lui réclamer des trucs. Qu'est-ce qu'il a en trop? Si tu me donnes déjà 5000 de bouffe, je suis ton pote. Si tu me donnes 500 d'or, t'es presque mon pote. $393 et 5000 de bouffe pour un accès militaire, quand même. Je prends. Et après, on fera de lui un allié militaire aussi au sud. Bon, je crois qu'il y en a un que je vais aller exploser si je peux. Ah, je peux pas. Tu sais quoi, je vais tenter un truc.
ambush positions. Est-ce qu'il peut faire le tour? En marche forcée, il pourrait faire le tour, mais si je me mets là, je pense pas. À moins que je me case ici. Attends, je vais te montrer où il est Cerber. Il était dans l'armée d'Ajax, là, que tu vois. Avec une armée full éthérée. Ça fait un moment que j'ai pas regardé Serious Trivia, je t'avoue, le bout, donc j'essaierai de voir quand je pourrai. Ils vont aller me rendre road, parce que là, ça commence à m'énerver. J'ai une armée dans le coin, Léo. Allez, là. Aïe, 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 aïe. Il y a encore une razzia à les faire. Il est où, Hector? Il est là-bas. Non, 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 non. Tu passes par les côtes. T'es fou, toi. Toi, t'es suicidaire ou je sais pas quoi. Bien. Collé au pion, on a eu du dégât encore. Est-ce qu'il va attaquer collé au pion cet animal? Bon, je sais, ça bouge pas encore, mais ça va venir petit à petit. Il va y avoir une guerre qui va se mettre en route là. On va me rendre Rod parce que bon, Rod j'adore. C'est un bon coin aussi ça. On est moins vent, moins nombreux. Bah tiens, tu sors d'où toi de mon Luc? Et ça chante bien lui, hein. Et les Nos là. Lui va un traité de paix de Bithynien. Ouais, ça va se prendre. Le Bithynien ne m'intéresse pas vraiment en fait. C'est ça qu'il faut que je me dise. Oh, les magnettes là, attention. Là, il y a beaucoup de bordel qui va arriver. Je vais mettre en mode marche forcée. Je vais tenter d'aller chercher comme ça, lui. Est-ce que Ajax il pourrait revenir ce tour-ci ou pas? Il peut revenir, Ajax. Tu sais quoi, Ajax, est-ce que t'as y a une armée dans le coin, là? Il n'y a pas d'armée. Bon, pas de bataille, hein. Une armée full éthérée, c'est une armée de cauchemar, hein. Vas-y, Ajax. Venge-toi sur lui, il l'a mérité ce petit sale go. Bon, on va garder comme ça, on va pas mettre d'impôt. De toute façon, ça sera rendu à tout à l'autre. Donc, prochaine destination, Bulbara. On va tout reprendre, de A à Z. Et on va tout donner. Bon, Héraclée, pour le moment, on va rien faire parce qu'il y a cette armée qui rôde. Excusez-moi. Tu as croisé un monstre de ton organisme? J'ai pas encore croisé d'Hydre Thanos, mais je sais qu'Hector a l'Hydre avec ses bâtiments. Pour le moment, je n'ai pas vu. Donc, j'ai pu affaiblir un petit peu le bousin avec, en prenant certaines de ses colonies fortes. Et je me demande si en trace, il n'a pas des bases de l'hydre. Donc, si je peux affaiblir l'hydre au maximum avant le combat, pourquoi pas. Et je pense que je vais faire le... Bon, lui revient m'emmerder. Bon,
Avec son armée surfumée, c'est normal. Ah, par contre, hein, l'IA Focus Player, hein, ça changera pas. Ah, ça serait un beau duel. Pour moi, c'est les deux meilleurs monstres du jeu. Bon, oui, ils me déclarent la guerre, ces gus là, mais je pense qu'ils vont. Ils ont vite comprendre que c'était pas un bon plan. Ouais, je crois que l'armée en trace, je vais faire le plus de batailles possible pour les calmer. Et tu te fous de ma gueule, toi. Non seulement tu me déclares rien, mais tu me réclames ça, mais tu t'es cru où dans Spirou, quoi. Parce que là, en vrai, en trace, je pourrais me faire tellement de villes ennemies, là, de les piller, de les raser. Ça pourrait bien m'aider pour mes objectifs. Bon, dans le sud, ça va m'aider un peu, bon, à part Rhodes, bien sûr, que je vais aller reconquérir dès que possible. Et mon but, ça va être aussi de me faire tous les parangons. Il me reste 3-4 à aller chercher, je crois, un truc comme ça. Bon, déjà Ajax. En route pour Balbura. Bonjour. L'armée d'Ajax, elle est invulnérable pour le moment. Donc là, c'est bon. Maintenant, prochaine étape, on va aller à Tlos. C'est quoi lui? J'ai tenté de l'assassiner lui là. Par contre l'abus là, bon, oh, tu me diras, il est amoché lui. Bon, je crois qu'il y a une tentative d'assassinat qui s'est pas bien passé, on va dire. Donc je vais me mettre là, comme ça j'ai tenté de leur tomber dessus. On va monter la ville au niveau 5, on sera peinard. Là, je pense qu'il a plus d'armées en vrai. Hein. Les dernières armées qu'il a, c'est en Crète. Donc, on a 64 colonies. Là, on va remonter à 65 ici. On sera aux deux tiers de l'objectif. Par contre, l'armée qui veut aller en Thrace, là. Il est en guerre. Il aime pas trop Hector, par contre, lui. Bon, au cas où, je vais regarder. Est-ce qu'il y a des paix possibles? Les Tiniens voudraient la paix. À la limite, si on leur fait un peu de dégâts, pourquoi pas. Il y a une armée dans le coin. Bah tiens, deux armées, mesdames et messieurs. Comme pas... Lol. C'est pas grave, on vous attend. Parce que si on fait tomber ces deux armées-là, on peut peut-être aller chercher cette ville et revenir. On va refaire des cibles. Sinon, du THQ Live... Ah, ils n'ont pas encore annoncé. Donc 42 jours en développement, à mon avis, Gothic doit en faire partie, le remake de Gothic. Pour ceux qui se rappellent que j'avais testé sur mon ancien ordi, ça n'avait pas été top d'ailleurs. Attends, toi, t'es pas en guerre avec lui, c'est ça? C'est quoi, j'essaie de discuter? C'est qui lui? C'est... Et il accepte, bon. Bah, tu sais quoi? À la limite, si tu récupères la ville, je m'en fous. Ça sera mon cadeau. Donc là, je vais rien bâtir. Comme je vais tout rendre. Et peut-être que je pense à faire des confédérations, moi, un jour, tiens. Bon, je sais, il n'y a pas beaucoup de batailles que je fais pour le moment, mais bon, c'est un peu... Tu peux t'asseoir dessus, toi, hein, franchement. Il va me rattaquer où? Saligo, il me rattaque là. La seule que ces épéistes, je pourrais rien faire, ils sont trop forts. Hey, il est en marche forcée lui. Ah, il y a l'autre là-haut aussi, c'est vrai. J'ai essayé de me le faire, si je peux le calmer ses armées. Ah, il y a eu un assassinat, il y a eu du dégât, donc il y a peut-être un petit espoir.
Par contre, les Amazones d'Hippolyte, il va falloir les surveiller. Elles sont ultra vénères. Si on peut les dégager de la partie pour de bon, ça serait cool. Comme ça, ça nous ferait une épine dans le pied en moins. Et ensuite, remonter vers le nord et Hector et tout le tralala. Allez, nos alliés se bougent. Alors, tu vas te rendre à Tlos. On rasera Tlemelos, peut-être. Bonjour, c'est le voisin. Merci. Bon, déjà, là, c'est fait. Lui, en recrutement. Je vais tout de suite rendre Pelos et Telmesos, comme ça, il sera content. Et ensuite, je vais enlever les villes au fur et à mesure. Un petit assassinat. Ah, c'est pas le bon âge, c'est pas la bonne cible, mais c'est, ça me va quand même. On va le prendre. Ça va, on est hors de portée, on va voir comment il va réagir. Bon, il a des unités de lourd, mais bon, globalement, je pense que c'est faisable. Hop, toi là. Oh, bah t'es naze, toi. They shall be our slaves. Glou glou. Je crois qu'il y a une deuxième armée qui va sauter, je sais. Je dis ça comme ça, hein. Get in there. Voilà, on nettoie. Enslave the captives. Oh, il y a eu deux bonnes armées en moins là, ça fait chaud au cœur, donc on va récupérer cette ville. Personne pour une petite paix, non? Personne. Donc je surveille quand même qu'il n'y ait pas d'ennemis qui viennent de je ne sais où. Il n'y en a pas un qui est venu là, bizarrement. Alors, terme, c'est la province, non. Victoire à Canmen. Il y a des murs ou pas? En vrai, je pourrais la faire cette bataille. Hein. Mais j'ai un peu peur avec les lanciers et tout. Mais j'ai envie de la tenter la bataille. Si j'arrive à me faire une tête de pont en trace, je pourrais me mettre bien quoi. Putain, les guerriers à la lance qu'ils ont quoi. Bon, on va faire une tête de pont en trace. On va tenter. Bon, on a beaucoup d'étés. On a 8 éthérés, on a des unités à la hache quand même. On a des bons marins. Donc là, on va essayer d'ouvrir un nouveau front. Oh, génial! Et on a un Minotaur, on va recevoir un peu à quoi ressemble notre ami. Notre ami le Minot là, il m'a l'air bien costaud. Oh, il déconne zéro cet animal. Ouais, j'ai des éthérés, ou après ils peuvent pas se régénérer. Je sais pas s'ils peuvent se régénérer dans la bataille là, c'est une bonne question. Et on a un super duelliste là. Le Minotaur est bon en 1v1. Après, c'est là on pourrait se faire un beau coup là, si on s'en sort. Hein. Dans le doute, j'ai peut-être retiré les tirs de mes javeliniers. Archer. Si je me mets sur la colline avec ces gus là. Bon là j'en ai que 4, hein. Enfin que 4. On va me dire, ouais, t'en as 4 quand même. Voilà ce que je veux entendre.
Apparemment, ils peuvent se régénérer, même Cerber est pas à la fin. En bataille, mais hors bataille, ils pourront pas. Parce que Cerber doit être dans l'armée, pour vous faire simple. Non, 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 Loubou, c'est que pour l'armée où il se trouve. C'est le lancier lourd, là, attention. Bon. C'est bien, ça monte. Je vais vite faire monter les lanciers au créneau. Déjà une grosse perte au niveau du moral. Attention, il y a de la harpie qui se pointe là. Attention ici les tirs. Bon déjà ils sont en train de prendre cher. J'ai envoyé une minot chercher le premier général ici. Toi tu vas te mettre là. Les tireurs vous allez tirer là sur Serpi là. Voilà, excellent travail. Donc là ils reviendront pas logiquement. Où est le Minos là? C'est bien. Là ça reviendra pas, ça c'est cool. Votre héros se fait attaquer. Voilà. Les archers, je vais leur dire tirer là-bas. Oh, ça a contourné ça, je l'ai pas vu venir. Bien joué. Ah, il y a une autre sortie de la ville, je l'avais pas vu celle-là. Bon, ils ont dû faire le tour, je pense. Bon, notre Minos. Allez, un petit moins 10 au moral, ce sera toujours ça de prix. Ah, il y a l'archer qui se taille. Ouais, la plupart de l'armée est en train de se détailler. Où ça? Ouais, là c'est les centaures, bon je peux comprendre à la limite. Non, les archers, vous allez vous reformer. Vos guerriers ont été mis en déroute. Retreat! Godlike power! The men are fleeing back! Giants! Akia endures! You're going to suffer! Akia forever! Vos guerriers se rallient. Hungry for glory? Are you done talking? Pull out! Ready! J'avoue que c'est buggé là, ici. Je sais pas comment l'expliquer. La non, victoire non. Est à portée de main. Ouais, à portée de main, ça se voit, hein. Poussez, allez. Let's see blood.
Non, c'est bien, le Minot et le héros et notre chef, ça sont en train de s'en charger de ce héros là. Oh, il prend cher, c'est bien. Bien joué. Oh, le moral là, ça va, ça risque de faire très mal là, la chute du moral. Une petite charge dans le dos par-ci par-là. Ouf, bien joué. Bon, ça va, les tyrans ont fait le boulot au début, ça nous a bien aidé. Les marins ont mangé, mais bon, c'était prévisible. Voilà. Tête de pont en trace établie. Maintenant, il va falloir essayer de la tenir. J'ai pillé occupé juste pour reconstituer. My reputation grows. I'll win or die trying. Il y a une bonne garnison, donc on va essayer de la tenir, cette ville. Bon, les harpies vont pas servir. Donc là, derrière, on pourrait peut-être enchaîner sur ici. Ah, les Mygdoniens, ils ont voulu la guerre. Maintenant, ils vont assumer les conséquences. Hein. Allez, plus de dégâts perforants projectiles. Pour les tireurs, ce sera utile. Break out the good wine and let's talk. Easy. Bon, toi, faut te remuer, mon pote. Hein. Je t'apprécie, mais bon. Les Mygdoniens voudraient la paix. Ah non, 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 non. Et faudrait peut-être pas abuser. Il y a une armée de 14 qui se pointe. Attention. Donc au prochain tour, on va tenter d'aller chercher lui. Notre momone national. Un assassin d'oracle de Gorgone, c'est parti. Prochain tour, on vient là. Non, on fera pas de nouvelle construction. Bon, on commence à bien avancer là. Lui, on est en train de devenir un rouleau compresseur, donc en trace, il nous faudra peut-être faire de la rasion. Je sais pas comment je vais opérer. Mais quoi qu'il arrive, ça comptera pour les 100 cités. Après, il faudra aller chercher 3, bien sûr. Mais le problème, c'est que avant d'aller chercher 3, je devrais battre Hector dans tous les cas. Puisque c'est mon antagoniste, je devrais le détruire jusqu'à la dernière ville et à la dernière armée. Donc voilà un petit peu les news. Alors, ça nous attaque ici comme une petite... petite chose que je ne dirais pas, non. Mais bon, ça c'est l'IA. Hein. Bon, ils ont mangé quand même, donc l'armée n'est plus de qualité, donc c'est peut-être un signe. Il y a une armée d'Amazon dans le coin. Lui, un pack d'agression. Je vais dire oui, pour l'instant. Bon, ok, c'est pas mal. Bonjour. Voilà. On pousse. Donc là, on rendra Phélos, arc meurtrier de Bellérophon. 2 à la motivation et 10 à la portée de toutes les armées. En vrai, de foot. En vrai, on n'a plus de javelinier avec Ajax, je suis en train de me dire là. À part les trucs, mais ça compte pas. Vas-y. 10 de portée sur les tireurs là, ça fait 209 de portée pour des tireurs. Je dis oui hein, je signe. Hop.
On occupe juste. Voilà, plus empoisonné pour l'armée, ça va calmer un petit peu. ...68 colonies, on sera 69 ici. Ah, il m'a repris ma ville, lui. Toi, tu vas me rendre ce que j'ai perdu. Ça pousse. This place is ours now. Tu me rends ce qui m'appartient, et... Voilà, pas mal. Bon, il va sûrement réattaquer là. Cléros, je vais rien refaire parce que je sens une mauvaise surprise. Et là, j'ai envie de foncer sur Kalingdo. Oh là là. Il y a du monde, hein. Voilà. Peut-être embarquer une harpie de plus, on sait jamais. Je vais voir pour une petite hécatombe. En vrai, pour Artemis, pourquoi pas, tiens. On va tester un peu Artemis, même si je pense qu'avec les amuns, ça pourrait être intéressant. 20% de succès de chance d'embuscade en plus. Voilà, déjà 190 pour Artemis, ouais, c'est pas mal. En vrai, je pourrais peut-être tenter une embuscade ici pour me libérer le passage. Hein. Oh là là, je pourrais me chercher des villes, là. Oh, si j'ai un peu de chance, je peux récupérer faire pas mal de razzia, peut-être, et me faire une petite base. Ah bah, Ismara est tombé aux mains de qui? Ainos, tiens donc. Les Mygdoniens veulent la paix, pour le moment, c'est mort. Alors, toi, c'est bon. On va juste se soigner avec l'armée d'Ajax. Après, on va aller chercher cette ville-là. Bon, elle va pas faire long feu sur le papier, mais bon. Et après, on rendra toute cette région aux nouveaux copains qu'on va se faire. Mais on va se casser à l'intérieur. Oui, mais Kaiser, c'est pas utile. Ils seront trop loin pour la guerre. Mais je pourrais leur donner des cibles pour frapper. Mais il faudra que je sois vigilant, quoi. Et ça montre que quand même, bon, l'IA, quand tu lui redonnes un ordre de frappe, elle obéit, quoi. D'ailleurs, j'ai même pas encore vu combien d'électeurs a encore de villes. Tiens, il doit en avoir quoi, une quinzaine, un truc comme ça. Les deux en trace, donc si on lui tombe déjà ça en trace. Victoire à la Canméenne. C'est qui attaque? Bah vas-y, hein. Si c'est mon allié qui pète cette armée, je dis oui, hein. Je vais prendre les ressources puisque là c'est une armée de garnison qu'on a utilisée. Moi j'ai une petite armée pour assiéger la ville. Je défonce l'armée extérieure, ensuite je dégage l'armée classée, je prends sa place. Et là j'envoie sur toi et je la défais. Pas mal. Ça peut être un plan. Vas-y, va pour l'alliance défensive. Lui ça va être le plan de faire un allié militaire supplémentaire. Donc moi ce que j'essaie de faire dans 3 avec la faction que ce soit grec ou troyen, les Amazones c'est un peu plus particulier, donc c'est pour ça que je ne le ferai pas, c'est de faire des alliés quoi. Et si je peux les confédérer, bah j'hésite pas. Artemis a entendu notre prière, ça c'est une excellente nouvelle pour nous. Ajax, en route pour Telmessos. Engage the foe. Putain, par contre pour prendre 3, je vais devoir réfléchir à une idée. Hein. Troyen, Troyenne, vous allez manger. My work.
They cannot argue with death. Let me at them. Non, je peux faire ça, attends. Massacre them. Bring the pain. Voilà, c'est une victoire à Canmen. Après, je perds toutes les unités. Je m'en fous, c'est des unités de parangon. Ouais, j'ai perdu beaucoup d'unités de parangon. Ça va, ça aurait pu être pire. Voilà, tu me rends complètement Rod. Je peux enfin faire organisation des jeux. Ça, j'en ai pas besoin parce que ça me retire de la croissance. Ça, je garde et ça, je vire. Donc Rod est enfin à nous, on a 69 colonies, waouh. On a conquis 69 colonies différentes. Là, il y en aurait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, peut-être 8. Après, il suffirait d'une confédération bien placée. Alors Hector, t'as combien de villes encore toi? T'as plus que 13 villes, donc 12 avec celles qu'on pique, qu'on pourrait faire tomber en trace. Waouh. Peut-être qu'avec Argos, je vais leur donner de. Je vais leur demander de me prendre des villes. Hein. Il est où lui, tiens? J'ai vu des armées à un moment de. Ah, il pourrait prendre à Dresden, les cons là. Au lieu de se dormir là, je sais pas. Hein. En plus, c'est une grosse base apparemment. Là, il pourrait se faire toute la province tranquillou. Et là, j'ai commencé à rendre donc déjà Phélos à notre nouveau camarade. Il est où? Perret. T'es un Ionien, mais tu nous es très favorable. Yes, je te propose, écoute, une alliance militaire. Je te propose de te rendre. Alors, c'est quoi le nom déjà? Phélos. Je te propose. Tu me donnes des ressources. Je te demande combien elle est. 5000 de bronze, ça te coûte, non, tu voudras pas. 1500 de bronze déjà. Voilà. Cette province-là ne m'intéresse pas. Ensuite, là, je vais lui rendre. C'était quoi le nom? C'était quoi le nom, que je dise pas de bêtises? C'était Telmessos. Je vais te piquer pas mal de ressources aussi. Donc c'est un peu, ça peut être chiant comme partie de gameplay pour certains, je peux comprendre. Certains n'aiment pas la diplomatie. Pour eux, Total War, c'est que la guerre, mais c'est aussi. Je pense que la diplomatie est importante dans cet opus. Il faut bien l'exploiter. 5000 de pierre, je le piquerai, non. 5000 de bronze, ça serait combien? Oh, pas mal ça. 5125, non, 5120 peut-être. Et 5109 de bronze pour une ville comme ça et 6000 de bouffe. Voilà. Comme ça lui fera une jonction avec son territoire. Et je peux lui demander de frapper ici pour se débarrasser de lui. Bon bah voilà, Ajax a fait son boulot. Par contre là, j'ai peut-être un plan ici. Est-ce qu'il va fonctionner ce plan? Taux de tembuscade 100%. Essayons. Par contre lui, je l'aime pas, hein, mais bon, c'est pas que je t'aime pas, mais je t'aime pas. Bien. Il y a une armée Amazon ici, il y en a une deuxième là. J'ai pas vu l'armée d'Hippolyte. Elle est où l'armée d'Hippolyte au fait? Contre Trezen, je vais te donner une nouvelle cible de guerre, toi. Faut que tu te rendes utile. Sparte. Arcadien. Et Triopon,
faut monter ici, hein. Faut essayer de prendre le mitin. De toute façon, je vais devoir remonter avec Ajax aussi sur cette île parce qu'il y a un parangon à aller chercher. Tiens, bah d'ailleurs, les derniers parangons là. Alors, attends. Sparte et Argos, je vais leur donner deux trucs. Épée de Thanatos. Alors, grande épée de Salamine, non. Voilà, on va gagner des ressources en plus grâce à notre célébration. Donc là, il me reste combien de gars à traquer? Donc lui, ah oui, il faut que j'aille chercher lui à 6 mai là-bas, j'ai oublié. Ajax va remonter pour se le faire. Par contre, là, il faut que je réfléchisse. Les charges, j'en ai pas besoin. Ça, je vais garder. L'hôtel de Zeus, je garde. Ça, c'est inutile. Ça aussi. Les arches de Kroos, pourquoi pas plus tard. La garnison ici sera ouais, utile. Utile pas vraiment, j'ai envie de dire. Ouais, donc on va garder ce petit, le territoire de la province de Sybaratis dans le coin, si jamais on a un souci. Ça peut toujours être une porte de repli, quoi. Par contre, maintenant, on va falloir tout remonter. Ça, ça va être drôle. Donc, 6 mai, ouais. On va se faire... Oh, Serpédon, il a... On va se faire une base à Troade. Ça pourrait te culotter, on va dire. Mais là, j'ai l'impression qu'Hector, il est en train de reculer, d'être sur le déclin, je sais pas. Là, faudra aller jusque là-bas, mais sérieusement, quoi. Voilà, bon, on va déjà passer ce tour-là. On va voir ce que ça donne. Eux, je vais voir s'ils vont tomber dans mon piège ou pas. Vas-y, va. 5 ans. C'est quand même intéressant, là, toute la bouffe qu'on va gagner. Elle doit nous détester, Hippolyte, mais laisse tomber. Les Tiniens ne tombent pas dans le piège, dommage. Tu veux un traité de paix, mais tu rêves, toi. Ah, génial. J'ai rien dit, en fait. Première armée pétée. Voilà, par contre, derrière, ça doit s'inquiéter un petit peu, à mon avis, parce que... Allez. Nos alliés se mobilisent. Ah, mes gars, il y a eu un petit souci. Bon, et partout déjà. Les Cassiopiens n'existent plus. Déméter nous bénit. C'est dommage que Déméter n'ait pas encore été ajouté dans le Panthéon. Je pense qu'elle aurait sa place en vrai. Si je la siéger comme ça, comment ça se passerait? Bon, allez, les tout, allez. On perd juste les lanciers géants, ça va. Les Mygdoniens n'existent plus, ça c'est fait. Des bisous. Et ça fait la 70e ville différente qu'on a pillée, occupée ou rasée. Et je vais partir tout de suite sur le cheval de Troie, comme ça on l'aura déjà. Et on va s'arrêter là pour cette première partie de live VOD. J'espère que ça vous a plu, YouTube, pour ce soir.